c'est moi qui dois faire l'introduction. Alors bien entendu, quand je fais une introduction, c'est un vrai discours. Mais pas là. Je voulais seulement tracer le trait de ce beau partenariat que nous avons avec le Dauphiné Libéré. C'est un vrai plaisir aussi de travailler avec eux. Merci, chers amis, d'être là ce soir. C'est vrai qu'on sort d'une période pas très facile pour chacun et on est très heureux de pouvoir se rassembler, vivre à nouveau des moments en commun. Oh, parce que ensemble, on va toujours plus loin. Et c'est toujours là, la notion d'être une équipe prend tout son sens. Donc, enfin, vous remerciez, vous, les partenaires, pratiquants ou pas, nous sommes tous amoureux du sport. Et c'est pour cela que nous sommes tous présents ce soir, nombreux. Et sans vous, rien ne serait possible, chers partenaires. Le principe, en deux mots, du sportif de l'année et du sportif du mois, c'est de mettre en valeur les athlètes de notre région. Ces sportifs, je vais vous les présenter maintenant en leur demandant de bien vouloir nous rejoindre sur l'estrade. Donc voilà, tout ce beau monde est en lice pour ou leur représentant pour le titre convoité de sportif de l'année. Encore un petit peu de suspense, je propose qu'on les applaudisse bien fort s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, comme disait Hervé, on a eu la chance de ne pas lâcher prise et de créer ces 12-14 à un moment où notre morale était au plus bas. On n'a pas lâché, on s'est dit il faut à tout prix garder le lien avec toutes ces visios, ces zooms, tous ces trucs qui nous cassaient les bonbons. Et on a voulu remettre l'humain vraiment au centre et puis vive la vie. On a prévu, et c'est toujours dans les objectifs, de pouvoir attribuer les dotations à des sportifs amateurs pour qui un petit geste économique pourrait les aider. Moi, je soutiens le président qui était encore pas président, mais qui était vice-président sous l'ère de Jean-Pierre Sérigny, à qui je veux rendre hommage ce soir parce que c'était notre premier président du cercle il y a plus de 15 ans maintenant, quand on a créé le cercle. Jean-Pierre a été un autre président, Hervé était son vice-président. Pour terminer, bravo à tous les adhérents qui ont joué le jeu pour le trophée des sportifs. Et je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont 13. Mais je vais citer les trois qui sont là ce soir et qui vont remettre les cercles de bronze, les cercles d'argent et le cercle d'or. Il s'agit du groupe AMA, du groupe Jeanlin et de la SMC. Donc on rigole pas quand même avec nos adhérents. Et bravo à eux. Merci, merci pour tout. On va passer à la remise des prix. En premier lieu, donc, j'appelle le partenaire du Cercle de Bronze, Madame Véronique Billard, s'il vous plaît, de Groupama. On est proche de nos sociétaires, on essaye d'être proche de la vie locale et soutenir des associations sportives. C'est être proche de vous, proche des gens et permettre à tout le monde de faire un sport au plus proche de chez lui. Le Cercle de Bronze 2021 est attribué à Alia Lutti. Donc Alia qui est représentée par son frère, une petite photo. Pour le cercle d'argent, donc j'appelle Monsieur Laurent Medina du groupe Jeanlin. Grâce à toi, on retrouve nos instants partagés et ça vaut de l'or. Le cercle d'argent 2021 est attribué à Romain Trouillot. La remise du prix et les photos. Vous êtes sûr que c'est Covid compatible, bisous. Donc j'appelle les représentants du groupe SAMC et entrepôt de bricolage, donc Eric Ferraro et Vincent Barbero, s'il vous plaît. Nous, on est juste ravis de remettre le trophée d'or avec Vincent. Vincent étant le directeur de région de l'Isère. Et on est vraiment ravis. Le cercle d'or 2021 est attribué à Emma Lunati.
Alors oui, Emma s'excuse, et malheureusement elle ne peut pas être là, elle est à Belsin actuellement en stage de préparation. Bonsoir à tous, je voulais commencer par des petites excuses. Je suis désolée de ne pas pouvoir être là ce soir à cette belle cérémonie. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses prévues, ça a l'air super chouette. Je tiens à remercier bien évidemment le Dauphiné Libéré et le Cercle 1892 d'avoir mis ce petit concours en place. Je trouve ça vraiment important de mettre les sportifs de haut niveau ou pas en avant. Comme je le sais aussi que vous le faites par amour pour le sport, les deux sont un peu réunis entre la volonté de participer à une belle œuvre et puis la volonté aussi de montrer que son entreprise soutient les valeurs du sport parce qu'elle-même, elle les applique en son sein. Alors merci et je pense qu'on va repartir de plus belle au mois de septembre et je compte sur vous.